la fin. Quoi? Le même beat. Ouais. On se croirait dans l'armée. T'as retrouvé la forme, mon Phil. Ouais, faut croire que ça remet en shape de retourner avec sa femme. Fais-tu un petit sprint? Ouais, un petit sprint jusqu'à la maison. Oh, ouais, ouais, ça va décrasser le moteur. Donne-y donc un bon coup de pied, là. Ah, mais c'est pas l'envie qui manque. Elle est tellement lente. Faudrait la changer. Ouais, je pense que c'est toi qu'il faudrait changer. Et toujours à dernière minute. Ah, regarde. Parfait, petite imprimante-là, regarde. Petit coucou va sortir, là. Et voilà. Oh, il y a une faute ici. Deux. Trois. Ah, pardon. Non, 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 ça m'intéresse. Tellement d'un, sérieux. Commenter un vieux livre poche. Balzac, franchement. Balzac? Il y a juste ces feuilles-là. Il n'en tombe pas beaucoup. J'avais rien d'autre à écrire. Samuel, c'est pas sérieux. Ben, déjà que je l'ai faite, tu devrais être content. Ben, relis-toi au moins. Quand tu t'intéresses à mes devoirs? Avant, tu n'aurais jamais... Avant, il y avait ta mère. Mais... Excuse-moi. J'y aille. T'es certain que tu veux pas que je corrige tes fautes? Ça me prendrait 5 minutes. Ouais. OK, OK. Plains-toi pas, c'était une mauvaise note, là. M'en sac pas mal, si tu veux savoir. Ici? Ben oui, deux, ce serait moins long. Ben, ça serait plus pratique à la bibliothèque. J'ai déjà toutes les caisses dans mon auto. Ah bon? Ben, je serai chez toi dans 45 minutes. Bon, d'accord. À tantôt, comme ça. Bye. Elle sent bien ici. T'as entendu comme moi? Elle s'impose, on a fait exprès. Elle a vraiment un front de bœuf, cette femme-là. Pas prise au dépourvu, une coiffée pour la bibliothèque. Belle excuse. En tout cas, moi, j'ai pas envie d'y voir la face pantoute. Moi non plus. Ouais. Après les insinuations qu'elle t'a faites. Mais toi, tu peux te sauver. Non, oh, j'ai pas peur d'elle. Profite-en pour faire tes courses. C'est rendu qu'on veut même plus être tranquille chez nous. Oh, mais évitons une chicane pour rien. Ouais, mais toi, là, laisse-toi plus embarquer dans ces histoires. Mais non, mais non. Sois aussi wise qu'elle. Montre-lui pas que ça te fait semblant que t'es au-dessus de ça. C'était ça, ces petits jeux-là. Moi, je commence à voir clair dans le ciel. Dépêche. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, tu vas être bien content. Hein? Tu vas pouvoir retrouver ton chalet. Ah, oh, je ne pressais pas tant que ça. Ah, mais je te remercie. Hein? Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ah, tu vas recevoir le bill bientôt. Hein? Justement, je vais te faire suivre quelque chose. Ah, non, arrête ça, là, si on peut plus dépanner un chum. On n'a jamais su comment ça s'était réglé, vos affaires. De quoi? Ben, pourquoi que les amours avec Réjean étaient revenus si vite? C'est bien curieux, toi. D'habitude, tu racontes tout. Non, laisse faire ça pour tout de suite. Là, l'important, c'est qu'on soit revenus ensemble, c'est toi. Ah. C'est toi ou c'est elle? Tiens, garde l'autre, là. Yeah. Toi non plus, t'as rien voulu me dire quand t'as laissé ton Allemande pour revenir avec Julie? Oui, je t'ai tout compté. Ah, tu m'as rien dit pareil, en tout cas pas grand-chose. Pourquoi c'est si secret? Ben, parce que... je sais bien que pour vous autres, Réjean n'est pas toujours de votre goût, là. Mais on n'a jamais dit ça, là. Non, non, mais ça se sent pareil, ces affaires-là. C'est vrai, pas toujours évident, là. Si c'est toi qui le dis, hein. Alors, Marc, c'est peut-être de ma faute, je suis tout le temps en train de chialer après. T'as peur qu'on soit pas d'accord? Non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai pas envie de me justifier, c'est tout. L'important, c'est que tu sois heureux là-dedans. Fais ça vite. Ouais, c'est lourd. Les autres, je les ai laissés dans l'auto. Ah, bonjour. Je te dérangerai pas, je partais. C'est pas moi qui te fais fuir, j'espère. Ah, il va faire des courses. Ah, je croyais pas que tu serais ici. Je suis un peu surprise. Ah oui, pourquoi? Une intuition comme ça. Oui. Oh, mon beau Zachary, est-ce que tu me rendrais une faveur? Est-ce que tu rentrerais les autres boîtes qui sont dans mon coffre, c'est ouvert? Ce serait gentil. Mm-hmm. Toujours aussi souriant le matin, lui. Florence. Hein? Toi aussi, t'as l'air un peu morose. On va se dépêcher de finir cette corvée-là rapidement, d'accord? Ben, si je me suis impliquée, c'est surtout pour te faire plaisir, ma chère. Toujours le jeudi avant 16h au plus tard. C'est votre heure de tomber. Parfait. On va y arriver. Confiance. Merci d'avoir pensé à moi. T'as un bon sens de l'humour, tu t'écris bien. On va former un bon team. On va partir de vendredi, je serai pas toujours là. Comment ça? Je vais devoir me faire remplacer assez régulièrement. Ma femme passe un petit bout de tof. Elle est de plus en plus malade. Alors, c'est bien plate.
Mais bonne chance à toi. Il y a quelqu'un qui va me remplacer. Mais je vais quand même essayer de venir une fois de temps en temps. J'espère que ça va s'arranger pour ta femme. Je le souhaite aussi. Je vous laisse. Salut. Allô. Hey. Voici en primeur notre première BD. Tu dessines, Astor? Non, c'est moi qui ai écrit le scénario. Ah ouais. Elle est déjà popée? Elle a le sens du punch. Il a sa première minute. Ah, putain. T'es pas plus excité que ça pour moi? Ben, moi, le journal, Ben, donne. C'est Alain qui a eu l'idée de nous matcher. Ben, pour la VD, je veux dire. Tu feras pas ton jaloux, là? Ben non, je suis surpris, c'est tout. Tu veux aller fumer une cigarette? Ben, mon cours est dans 5 minutes. Ah oui, là, je pensais que tu me boutes. Je vais finir mes petites heures de jour. C'est routinier, mais ça vide l'esprit. Ça rend service, surtout. Et cette femme, finalement? Qui? Ben, la pharmacienne de Zachary. Je suis curieuse. En as-tu su davantage? Non. Je crois pas. J'aimerais mieux pas revenir là-dessus. Pourquoi? Zachary a pas du tout aimé qu'on lui déterre cette histoire-là. Donc, tu lui en as parlé? Vaguement. Alors, c'est Liliane. La vérité correspond pas du tout avec tes informations. Quoi, exactement? Tout. C'est ce que Zachary t'a raconté. Non, mais je lui fais totalement confiance. J'espère bien. Sinon... D'accord, j'aimerais ça qu'on s'arrête là, d'accord? Comme tu veux. Je t'ai blessé. Non, mais... Non, j'aurais peut-être pas dû. Je trouve impulsive aussi, tout le monde le dit. Il faut vérifier avant de colporter. Ouais. Mais c'est quoi la vérité, alors? Mais Liliane n'a plus aucun contact avec Zachary depuis longtemps. Ah, tant mieux, ça me soulage. Oui, c'était un tissu de fausseté. J'aurais pas encore du crédit à des cancans de coiffeuse. Ça me joue des mauvais tours. En effet. Hey, Alain! Alain! Attends un peu. Oui? Tiens. Quoi ça? Mon travail sur Balzac. T'as dit la semaine dernière? Ouais, j'ai pas pu. T'as raison. Ouais, j'avais d'autres choses à faire. Autre chose? Ouais. Tiens, garde-le. Quoi? Je refuse de le prendre. Je me suis forcé. Les dates de remise, ça vaut pas trop aussi, désolé. La prochaine fois, t'auras juste... Il n'y en aura pas de prochaine fois. Encore, je veux rien savoir de ces gens. 2000. Je t'ai carré. Au revoir. Là, mettez plus de tomates, là, parce que moi, juste la laitue, je trouve ça beau pas, ça. Mettre pas en masse de poulet avec les... Hey, où ta vinaigrette? Emporte en bas. OK. Bon, vous avez raison, les gars. Je suis pas si content que ça. Il est arrivé un pépin. Un gros os, ça, je devrais dire. Ouais. Ben, pendant que Jeanne et moi, on était séparés, elle a soigné. Oui. Elle a soigné, sacrément. Là. Faut que je te fasse un dessin. Jeanne t'a trompé. Une fois, il paraît. Non, mais juste une fois. Puis on n'était plus vraiment ensemble à ce moment-là. Ça change toute l'affaire. Non, non, mais elle a couché avec un autre gars pareil. C'est bien assez. Qu'est-ce qui te fout de plus, toi? Ben, sais-tu c'est qui? Non, je veux pas le savoir non plus. À quoi ça servirait? C'est arrivé juste une fois, puis vous étiez un peu séparés. Ouais, c'est ça que je me dis, là. C'est tough, pareil. C'est tough en sacrement. T'as rien vu, su? Ah non, j'étais trop pris dans mes affaires à moi. Puis là, bang, t'sais, je vois encore des étoiles. Sam, tu peux pas faire ça. J'ai rompu la face ici. Calme-toi. Non, je suis tanné de me faire gosser avec des cours plates. Qu'est-ce que ça donne, Noé? Tu prendras tes cours à 5e session. Tout le monde fait ça. J'en ai plein le cul. Qu'est-ce que tu vas faire? Du cash. Je vais travailler. Où ça? Je sais pas. Je vais trouver. Attends moins d'avoir quelque chose. Non, je reste peu ici. Sam! Viens, Rosie, tu perds ton temps. Où tu vas? Je t'accompagne. Chez nous. Peut-être parler de toi, mon frère. Hugo. Dans son bar, il cherche toujours du monde. Ouais. Cool.
Excuse-moi d'avoir insisté, mais avec ma maladie, faut que je mange à des heures régulières. Oui, une salade avec du fromage, ça va aller. Parfait. T'as besoin d'une diète particulière pour ta convalescence? Non. Non, je t'ennuierai certainement pas avec mes problèmes de santé. Qu'est-ce que je disais déjà? Tu parlais du roman de William. Ah oui, ah oui. Je dois avouer qu'à la première lecture, je trouvais ça plutôt léger, un peu anodin comme histoire. Anodin? C'est pas ce que disent les lecteurs. Mais je me ravis, c'est beaucoup plus intriguant qu'au premier coup d'œil. J'ai découvert une toute autre interprétation, beaucoup plus riche. C'est-à-dire? Un véritable roman clé, ce livre-là. Oh! Exagère pas. Et des secrets! Des références aux vies réelles de l'entourage de William sont évidentes. Comme l'histoire de la mort de la femme du personnage du père. Mm-hmm. Personnage qui ressemble beaucoup à Zachary, tu l'as. Où tu t'en vas avec ça? Là? Oh. Oh, mon Dieu, tu m'as fait peur. Je t'ai pas entendu entrer. Oh. Où tu veux en venir, Florence? Tu dois bien t'en douter un peu, non? Non, je cherche pas. Jeanne a fait ça pour se venger. Se venger de quoi? Ben pour te mettre la monnaie de ta pièce pour Stéphanie. Pense ça, toi. Mais moi, avec Martina, c'est ça que j'ai fait, très consciemment pour le ça. Je sais que c'était niaiseux, mais je voulais encore me prouver à moi-même que j'étais capable de séduire. Ah, mais là, Nadré Jeanne, c'est... Non, ça, c'est sûr que ça y ressemble pas. En tout cas, vengeance ou pas, elle l'a faite, puis elle est allée jusqu'au bout, elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Mais là, je suis pogné pour vivre avec ça, là. Ah, mais là, tu vas pas la relaisser pour ça, là? Non, mais... Pareil. Hey, ça vient d'arriver, là. Avec le temps, ça va se calmer, là. Je croirais pas, plus ça va, plus ça devient obsédant. Moi, en tout cas, je pensais tout le temps à ça. J'avais plus de vie. Non, il a fallu que je parte en voyage pour avoir le goût. Encourage-le donc. Excuse, Phil, mais bon, c'est pas nécessairement ça avec toi, là. Toi, tu vivais déjà plus avec. La faute est moins grave. C'est de ça que j'essaye de me convaincre, là. Excusez-moi, les gars, mais je vais être obligé de vous mettre dehors. J'ai un service de traiteur à préparer. Ouais, moi aussi, je suis pressé. Excusez-moi de te couper ce cours demain. Non, non, de toute façon, il n'y a plus rien à dire. Il faut vaincre le Laval, la pilule. Non, non, on va pas passer. Je suis très ouverte d'esprit. Je juge pas le personnage, ni la situation délicate. Continue. Je dis seulement qu'il faut beaucoup de compassion pour en arriver à cette solution aussi extrême. Tu veux dire? M'oblige pas à révéler des choses. T'es bien parti pourtant. Le suicide assisté. Je condamne pas ça du tout. Heureux de te l'entendre dire. Même si moi, personnellement, j'en serais absolument incapable. Mon cher Gabriel était tellement diminué à la fin de sa vie, mais jamais, au grand jamais, j'aurais pu me résoudre à... Oh non, Dieu m'en garde. Si on en revenait à nous. Tout ça est une affaire de conscience. De valeur, mais qui est-on pour juger les autres? Exact. Dans certaines circonstances, ça peut être un geste admirable de compassion et d'amour. Oui, 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 c'est ça que vit le personnage. Et toi, Zachary? Quoi, moi? Cette intrigue serait pas un peu calquée sur un épisode de ta vie? Tu veux dire? Et l'agonie de ta femme. Oh, mais Florence! Tu as mis fin au jour de ta femme, n'est-ce pas? Tu dépasses les bornes. La réponse? Tu te prends pour qui, toi? Mais je t'ai posé une question. Tu remets plus jamais les pieds ici, t'as compris? Où tu vas? J'en reviendrai quand elle sera partie. Oh. Oh, ça finit bien brusquement. Je joue pas l'innocente, en plus. Mais tu lâches pas, toi? Rosie vient de me raconter ça. Qu'est-ce qui te prend? Ah, c'est fini. Over. T'es où, là? Chez nous, bien relax. Soulagé, même, si tu veux savoir. Je vais venir te rejoindre. Non, non, c'est pas nécessaire. Tu me feras pas changer d'idée. Sam, t'as agi sur un coup de tête, là. Non, pas en tout. J'y pense depuis l'autre fois. C'est fini le niaisage. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas encore, mais je vais trouver. Ben, regarde, je suis pas d'accord pas en tout. Non plus, je suis pas d'accord avec tout ce que tu fais. C'est pas grave, ça. Regarde, Rosie fait dire qu'elle va aller te rejoindre tout de suite après notre réunion au journal. T'es encore avec? Elle niaise pas. Ben, non, c'est une joke. Ben. Je te laisse le matériel de la bibliothèque. Oui, je vais m'occuper de tout. Je suis vraiment désolée. J'en crois pas un mot. Toi et Zachary, vous vous méprenez sur mes intentions. Je ne peux plus en parler. Remarque, j'ai rien dit de faux. Zachary lui-même en a convenu. Non, il n'a pas répondu. C'est tout comme. Florence,
Je pense que notre relation se termine ici. C'est bien dommage. Je pense pas, non. Je me suis trompée sur ton compte. Si tu cherchais une amie complaisante. Non, pas complaisante. Juste une amie. Oh, très chère Marthe, tu refuses de voir la vérité en face. Maintenant, je vois vraiment qui tu es. Une femme qui n'a pas peur de faire tomber les masques. Commence-t-on par faire tomber le tien, Florence? Bonne fin de journée. Hein? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? C'est toi. Ben, je suis venu manger mon lunch en vitesse, là. Je fais jamais ça. Ben, tu sais, toujours manger au restaurant, là, ça devient plate. Comment ça? T'es déjà au courant? De quoi? Ben, là, y a quelqu'un qui te l'a dit? Non. De quoi? Je lâche l'école. Ah bon? Pour de bon, là. Ah, puis tu penses que je vais être d'accord avec ça, moi? Non, mais je vais le faire pareil. Ouais, mais c'est ce qu'on va voir, hein? Ben, j'ai tout fait pour te faire plaisir. Là, j'en peux plus, j'abandonne. Mais tu penses que tu vas aller où avec rien dans les poches? J'ai déjà une job. Dans un bar. Un bar? À Montréal. Rien que ça! Y'a pas, j'ai pas le goût qu'on s'assine encore. Ça finit tout le temps de même. Ben non! Digère ça, moi, je vais aller manger dans ma chambre. Ah non, Samuel, ça n'a aucun bon sens, là. Non, ce qui a pas de sens, c'est que tu m'écoutes jamais. Mais c'est pas vrai, ça! Ben regarde, là. Bon, là, tu parles. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Ah, mais non, je comprends. Je ne sais pas tout quoi faire avec ça. Ben, c'est vrai. Arrêter ses études, c'est un petit peu inquiétant. Hein? Un petit peu étudié, toi. Hey, Samuel est en train d'hypothéquer son avenir pour le restant de ses jours. Hein? Bon, faut pas dramatiser non plus. Tu ferais quoi à ma place, toi? Je sais pas, j'avoue. T'es un gars plus pondéré que moi. Je veux pas avoir une solution, t'en as tout le temps. Ben non, Mario. Ben, depuis que Rachel est plus là, j'étais encore plus dépassé qu'avant. Et vous étiez pas souvent d'accord, je pense? Non. Je tirais à gauche, moi je poussais à droite. Au moins, je réagissais de l'autre bord. Là, je sais plus quand tout me gavocher. Faites-vous confiance? Oh, je me trouve assez incompétent des fois, là. Il n'y en a pas de diplôme pour être père. Non, ben, il y en a qui partent de moins loin que moi. Ben, je dirais pas ça, moi. C'est ce que j'ai vu pendant l'expédition. Et après, là, je te trouve de plus en plus solide. Moi, ça? Oui. Eh, bon, hey. Je suis mort de peur. Je crains toujours qu'il se décourage pour de bon puis qu'il fasse le pire. C'est toujours là. Je suis pas capable de m'enlever ça de la tête. Excusez, messieurs. Est-ce que je vous sens? Non, chocolat, c'est pour moi. Même chose pour moi, s'il vous plaît. Parfait. Excuse-moi, là, je suis trop émotif. Quand il est question des enfants, là. On l'est tout. Ben, moi, c'est encore pire. J'ai toujours une épée au-dessus de la tête. S'il fallait qu'un jour... Ah non, ça, je ne me pardonnerai pas. Non. Samuel, il est plus si à risque que ça. Ouais, comment on peut être sûr de ça? Jamais. En tout cas, pour moi, c'est toujours une menace. Il commence à quelle heure, à son bas? Hugo? Ouais. Il va le voir à personne, ce serait mieux. Aujourd'hui. Pourquoi pas? Wow, là, j'ai pas réussi à le rejoindre encore. Ben, c'est pas grave, là, je vais prendre une chance. Non, j'ai dit ça comme ça, là. Il y a peut-être pas de job non plus. Comment ça? Mon frère, il pète souvent de la broue pour faire son importance. Ah, comme toi, je dirais. Sam, t'es pas pour partir à Montréal pour aller travailler. Pourquoi pas? Mais t'en auras pas les moyens, là. C'est pas avec une job de busboy, là, tu fais pas assez de cash. Tu m'avais pas dit serveur. Pas au début, en tout cas. Ok, c'est correct, là, je vais m'arranger tout seul. Je veux pas que tu partes dans une autre ville. Voyons. Non, ça me fait du bien de changer d'air. Je vais checker le site d'emploi. Rush pas, t'as décroché à matin. C'est pas nécessaire de trouver aujourd'hui. Je veux rassurer mon père pour qu'il sache que je suis sérieux. S'il voit que je fais les démarches, il essaiera plus de me faire changer d'idée. À la pépinière? Pourquoi pas? Un bon employé? Ça l'intéresserait. Je sais pas, mais c'est mieux que de rien faire. Ah! C'est pas Sam qui veut ça. On t'en parlait avant? Non, je crois pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi? Il apprend super vite puis il adore le travail manuel.
Tu disais la même chose de Pénélope, puis finalement, elle n'est jamais rentrée au travail. C'est pas du tout la même chose. Elle a cassé avec moi. Fred, tu fais la même erreur. Tu veux sauver tout le monde. Je veux juste donner une chance à mon chum. De là, essayer de décider pour lui. Fait que là, tu veux pas de lui? Non! Fais-tu semblant de pas comprendre? C'est à Sam de faire les démarches. Moi, c'est vrai que j'ai pas besoin de personne de nouveau à Pépinière pour le moment. Mais ce que je te dis, c'est que c'est à Sam de s'organiser. Arrête de tenir la main, c'est un grand garçon. Zachary Harrison, laissez-moi un message. Leave me a message. Zachary, où es-tu? Pourquoi tu réponds pas, là? Je suis inquiète. Florence est partie, tu peux revenir. Le secret, des fois, c'est de diminuer ses attentes puis de focusser à ce qui est essentiel. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais ce qui te fait le plus peur maintenant, c'est surtout que tu te perdes de vue, non? Ben, mais ça, toi, à Montréal. Arrange-toi pour qu'il parte. Essaie de le garder avec toi. Mais comment? Ben, je sais pas trop, mais en acceptant qu'il abandonne ses études, mais temporairement... Oh, ça, c'est beaucoup me demander, man. Je sais, mais laisse retomber la poussière un peu. Ouais. Mais peut-être qu'il pourrait reprendre une formation pour un métier. L'important aujourd'hui, c'est qu'il parte pas à cause de ton intransigeance. Non, là, il faudrait pas que ça aille jusque-là, là. Tant que tu vas maintenir un lien avec lui, mais tu sauras au moins ce qui lui arrive. Ouais, ça serait déjà ça. Accepte ça, puis tu vas garder ton fils près de toi. Ouais. Allez, je te remercie, William. Je savais que t'allais me donner des bons conseils. Ouais, y a pas de solution miracle. Non, ben, je sais pas. Je me sens mieux. Ouais, tant mieux. Oh, il faut que j'aille travailler, moi. J'ai des rendez-vous que je peux pas remettre. Vas-y, je m'occupe de ça. OK, ben, je te remercie, je prendrai la prochaine. C'est bon. Hein? OK, bon, salut, là. Salut bien. Je serais tellement heureuse que tu me conseilles. J'ai de belles qualités, mais j'ai pas le pouce vert. Ben oui, pas de problème. Puis on choisira des plantes qui sont faciles d'entretien. Tu vas voir, j'ai un très beau choix à la pépinière. Ah! Oh, on ferait ça quand? Début de semaine prochaine. Pourquoi pas demain? Oui, je vais pouvoir me libérer. C'est bien gentil à toi. Non, regarde, je pense que j'ai une idée. Pourquoi tu viens pas déjeuner ici? Ça fait longtemps que t'es venue. En effet. Hein? Alors, à demain, puis on se dit vers 10 heures. Oh, j'apprécie beaucoup, Julie. Merci. OK, bye. Ouf! Je te dis qu'à chercher un prétexte, ça se sentait. Bon, les montagnes russes, ils recommencent. Quoi? Arrête d'y prêter des intentions. Ben non, mais je disais juste que les plantes vertes, c'est une excuse qu'elle se donne. Ouais, pis... Une mère qui veut voir sa fille plus souvent, c'est juste normal. Oui, c'est juste les détours. Elle a son orgueil, puis toi, t'as le tien. T'as raison. Puis? Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon. C'est drôle. Il y a pas trop de texte? Ben, pas sur cette planche-là, en tout cas. C'est Rosie qui s'occupe des dialogues, puis des fois, elle part sur des affaires qui finissent plus. Là. Ah ouais? Ouais, elle a des super bons flashs. C'est juste que ça sort un peu tout croche, des fois. En tout cas, toi, t'as beaucoup de talent, mon grand garçon. T'es ma mère, t'es pas bon juge. Non, ouais, mais la mienne, elle m'en faisait rarement des compliments quand j'étais petite. Ça y est, tu recommences. OK, excuse-moi, excuse. Moi, j'ai trouvé ça plate que tu parles. Moi aussi. Je veux t'avoir à moi, tout le temps. C'est pas à cause de ça qu'on va se laisser non plus. J'espère. Salut! Bonsoir. As-tu soupé? Oui, j'ai mangé avec un client, ça finissait plus. Et crains pas, on va tout ramasser. J'ai-tu fait une remarque, moi? Non, mais... Bon. Je vais aller me coucher, je suis crevé. Tu voulais pas qu'on parle? Bon, je vais te laisser tranquille avec ta blonde, là. Ça peut aller à demain, hein? Ah, ben c'est comme tu veux. T'en as moins enragé que ce midi? Ben, faut bien que ça redescende à un moment donné. Hein? Bon, ben, à demain.
Qu'est-ce qui se passe avec lui? Quoi? Ben, je m'attendais à me faire sermonner, là. Il était cool, je trouve. Ouais, mais justement. Si tu veux, je pourrais passer la nuit avec toi. Mon père, il est là. Pis ça, il saura pas. Je suis même pas partie, pis t'en es déjà. Rie pas de moi. On va passer une belle nuit. Oh, enfin, mais où est-ce que t'étais passé? Marcher, prendre l'air, me dérager surtout. Tu as vu l'air? Ah oui, je suis tombé sur le voisin, on s'est promené dans son verger. T'aurais pu m'appeler, je t'inquiète. Je savais que j'étais pas loin, voyons. Mm. Henri, bon, invité à souper, ça m'a changé les idées. Oui, c'est très malheureux ce qui s'est passé avec Florence, là. Je suis désolée. C'est pas de ta faute. Elle pis ses maudites questions. Ben, faut-il avoir un front de... Tu remettras plus les pieds ici, là. Je te le promets. Elle trouvera bien le moyen. Non, 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 non. J'ai mis fin à cette relation-là, puis j'ai été très claire. Bon, bon débarras. Je pleurerai pas. Il reste-tu des comprimés contre le mal de tête dans la salle de bain, là? J'ai un peu forcé sur le vin. Pense bien, oui. Va aller me coucher. Hé, tu veux pas en parler plutôt? De quoi? De ce qui s'est passé avec Florence. J'avoue que... C'est rien que des maudites niaiseries. J'ai pas le cœur de revenir là-dessus, OK? Salut. Je partais. T'as passé la nuit ici? Ouais. On aurait dû vous avertir avant. Effectivement, ouais. C'est juste que vous étiez couché, fait que... T'es au courant, toi, pour la nouvelle situation de Sam, hein? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Il en avait vraiment plein son casque, Baker. Hmm. Il a bien l'air à ça, ouais. Ben, là. Même. Ah! Déjà debout? Oui, ben, j'ai plein de choses de prévues aujourd'hui. L'avenir appartient aux hommes qui se lèvent tôt. Comme ça, t'as eu de l'accompagner cette nuit? Ouais, c'est pas la première fois. Ben, que je m'en rends compte, oui. T'avais-tu quelque chose contre? Non, 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 non. Je dis ça comme ça, là. Des œufs? Ah, ouais, non. Là. Merci. Salut. Allez, allonger, s'il te plaît. Pour emporter. OK. Ça va? Ouais, ça va. Faut qu'on le prenne ensemble, à la place? Ah, non, j'ai pas le temps. T'es venu ici juste pour mon café? Pas tout à fait. Non, j'ai. En fait, j'ai repensé à ça, là, puis je regrette un peu, là. Quoi? Ben, ce que je t'ai dit, là, sur Réjeanne, c'est bien touché. Non, mais j'ai pas raconté ça à personne, fais-le, voyons. Non, parce que je voudrais surtout pas que vous la jugiez mal. Ben non. Parce que, tu sais, Réjeanne, c'est une femme bien honnête puis droite. Je sais. Puis je voudrais pas que tu penses... Hey, hey, je pense rien. Hein, moi je suis décidé de tout oublier ça, là, mais... ben, je voudrais pas que ça fasse des histoires ailleurs. Mais ben non. Aucune allusion, OK. Hey, il y a juste toi qui panique avec ça, là. OK? Passe à autre chose. OK. Yeah. Ah, merci. Attention. Ouais, je te l'offre. Ah, OK. C'est passe une belle journée, okay, mon cher. Salut. Oui. Veux-tu en un croissant? Non, merci. Je croyais qu'il se précipiterait pour te raconter l'incident. Alors, avantage, évidemment. Non. Pas une nouvelle, ni de Marthe, ni de Zachary. Tant mieux. Mais qu'est-ce que t'avais de si terrible à dire sur le livre de William? Rien. Je commentais l'intrigue, tout simplement. Quelle intrigue? Mais surtout la scène où le père aide sa femme à mourir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui a fâché si fort, Zachary? Mais voyons, c'est évident. Non. Remarque que Zachary a pas nié. Nié quoi? Que lui aussi avait fait exactement la même chose pour Dorothée. Essaies-tu de me dire que t'es au courant de rien? D'où tu sors ça, toi? William te l'a jamais raconté. Maman, c'est complètement fou. Pas du tout. Vérifie toi-même. Ben oui, c'est certain, je vais aller demander. Voyons donc, je le saurais. William m'en aurait parlé. Un fils se vante pas que son père a tué sa mère. Là, j'aime pas du tout la tournure de notre conversation. Mais si t'étais au courant de rien, je comprends. Ma pauvre chérie, avoir su...
Tout ce que je te demande, c'est de renoncer à aller à Montréal. J'ai rien trouvé encore. Puis le bar? Ça marche plus, ça. Oh non! Mais pas pour l'instant, en tout cas. Tant mieux. Essaye donc de trouver quelque chose ici à Granby. Fait que là, si je comprends bien, tu acceptes que je quitte le cégep. Mais j'ai pas bien le choix, hein? Mais tu le regretteras pas, Pain. Merci. Peut-être que plus tard, tu vas vouloir suivre une formation professionnelle. Ben, rentre en lieu. Mais là, je veux que tu cherches une job par ici, par exemple, pas à Montréal. Oh, non, moi aussi, c'est ce que je veux. Rosie va bien trop s'ennuyer, sinon. Non, ben là, hey. Si j'ai Rosie de mon bord en plus. Là, je perds pas de temps, là. Je commence à chercher aujourd'hui. Ah, je vais regarder ça de mon bord, moi aussi. Ben, c'est pas pour t'insulter, là, mais je veux ni travailler avec toi, ni dans le même milieu que toi. Toi-en pas, là. Je veux pas t'avoir dans les jambes, moi non plus, là. Oh, faut que j'aille m'habiller pour aller travailler, madame. Mais je suis content que ça vienne comme ça. Tant mieux. Mais là, promis, hein. Moi, je reviens pas ce soir me retrouver devant une maison vide, toi est parti, là. Non, là, juré. Merci, mon gars. C'est peut-être pas ce que j'avais rêvé comme idéal pour toi, mais bon. On va faire avec. Ouais, mais gars, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Espérons-le. Arrête! T'as aucune preuve de ça! Mais je suis pas détective! Mais c'est rien que des suppositions malsaines, ça. Qu'est-ce qui est malsain? Moi ou un homme qui a tué sa femme? Arrête de dire ça! Qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Bon. Julie refuse obstinément l'évidence. Mais quelle évidence? Bon, maman, je pense qu'on va remettre ta visite à la pépinière une autre fois. Mais je crois aussi. J'en ai plus du tout envie. Mais voyons, vous deux, là. Bon, autant en avoir le cœur net tout de suite. Toi, tu peux répondre à la question que je me pose. Non, maman. Si je peux vous éclairer. William, tu te mêles pas de ça? Allez-y. Ton père, Zachary, a-t-il, oui ou non, abrégé les jours de ta mère? Pourquoi vous me posez cette question-là? Peu importe. Oui ou non? Non. Absolument pas. T'as ta réponse. Je vois que les hommes de cette famille ont bien du mal à accepter la réalité. Ça suffit! Bon, alors je vous laisse. À la prochaine, ma chérie. T'entraînes ici à cette heure? Ben oui. J'ai pas le droit? Ouais. C'est juste que d'habitude, tu t'entraînes au cégep le midi. Ouais, ben, je vais te parler. Ah, me semblait aussi. J'ai peut-être quelque chose en vue pour toi. Ah ouais? Ouais. Je gosse ma mère pour qu'elle te prenne à sa pépinière. Pas de job pour tout de suite, mais je te lâche pas. Je me rappelle pas de t'avoir demandé quelque chose. Non, mais on peut bien aider un chum. Ben, tu perds ton temps. Pourquoi? J'ai déjà trouvé quelque chose. Déjà? Ici, le gérant est prêt à me donner 30 heures. Comme? Un peu de tout, là, préposé, conseiller à l'entraînement. Ben cool, c'est vraiment dans tes cordes? Ouais, pas mal plus qu'à la pépinière avec ta mère, en tout cas. Ah, j'essaie de t'aider. Mais pas comme ça. Reste mon chum, là, c'est tout ce que je te demande. Ben ça marche tes affaires? Ouais. T'en doutais? Non, mais... T'es tellement mauvais menteur, là. J'ai honte pour elle, excuse-moi. Tu que ma mère est rendue complètement cinglée. Attends, chérie. Viens t'asseoir. Faut que je te dise quelque chose, puis ça fait longtemps que j'aurais dû le faire. Toi, tu veux pas me dire que Zachary non. A... Pas Zachary. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai aidé maman à mourir. C'était insoutenable, elle me suppliait, puis... En toute conscience, je pouvais pas faire autrement. Moi, j'étais pas au chalet ce jour-là. C'est William qui a eu le courage de passer à l'acte. William.
pas souffrir inutilement. Peut-être dû m'annoncer. Ah, ben non, mais non, c'est correct. Assieds-toi, tiens. T'es tout seul? Oui, Julie vient de sortir pour une heure faire des courses. Faut que je te parle de quelque chose d'important. Ben, as-tu quelque chose à boire, un café? Non, non, merci. Ça va, toi? Oui, oui. Pas dans la misanté, là? Non, non, de ce côté-là, tout va bien. Non, tant mieux. T'as un drôle d'air. Je t'en beau maudit, si tu veux savoir. Ah bon? Pourquoi? Notre gros secret commence à s'éventer. Imagine-toi donc que Florence est venue chez nous. Pas chez vous aussi? Quoi? Elle est remontée jusqu'ici? Ah oui, un matin avec Julie. Je te le jure, j'ai pas parlé de toi. Je sais. Florence pense encore que c'est moi. Non, c'est pas grave. J'ai dit la vérité à Julie. Ah ouais? Ouais. Je pense que c'est mieux de même, finalement. Mais cette folle-là a pas à mettre son nez dans nos affaires. Ça, par exemple, t'as raison. Veux-tu que je te dise le fond de ma pensée? Ouais? La mère de Julie, c'est une maudite malade. C'est pas juste la leucémie, là, c'est dans sa tête. Elle est dangereuse. Mais je savais qu'elle était ratoureuse puis capricieuse, mais là, c'est plus drôle. Myriam, très chère, comment vas-tu? Tu serais libre pour venir cet après-midi? Non, votre contrat a été refusé par le propriétaire. Ben, c'est bien ce que j'avais prévu, hein? À moins d'augmenter la mise, on va l'échapper, cette maison-là. Hein? Ben, c'est bien dommage, mais c'est votre décision. Bon, très bien, on se reparle plus tard. Bye. J'ai une nouvelle pour toi. Ben, une bonne, j'espère, cette fois-ci. J'ai trouvé un job au gym. Ah, intéressante. Pour un début, oui. Des belles heures, une paye pas pire. Ah, ben, c'est déjà ça. Ben, si je peux rester ici, ça me suffirait. Ah, ben, certain que tu peux rester ici. Voyons donc, toi. Et puis, j'ai rien, crois en moi. Fait qu'à moyen terme, je pourrais devenir entraîneur personnel. Mais c'est en plein dans la ligne où tu veux travailler, ça? Ben, c'est ça que je me disais. Ah, ben, formidable! Ben, bravo, mon garçon! J'ai-tu bien compris, là? Quoi? Ben, aucune objection, pas de reproche. Non, non! Moi, je suis très heureux pour toi, là! Merci. Ah! Est allée chez Julie? Juste avant moi. Elle n'a pas perdu de temps. Qu'est-ce qu'elle leur a raconté? La même chose qu'à nous. Elle a complètement perdu les pédales? Ben, tu reprends l'aile. Elle s'arrange pour perdre sa fille. Ben, tant pis pour elle. Tu es vraiment méchante. Pourquoi elle fait ça? Elle veut détruire notre famille. Mais pourquoi elle et Harrison n'y ont jamais rien fait? Non, mais elle, elle n'en a plus de famille, alors elle s'en prend à la nôtre. Elle va complètement s'isoler. Je m'apitoierai certainement pas sur son sort aujourd'hui. On peut dire qu'elle en a fait des dégâts autour d'elle, cette femme-là? Ouais. C'est son gros fun, je pense. Oui, il y a du monde qui se sent bien juste quand ils ont des conflits, puis quand ils en ont pas, ben, ils en inventent. Ah, en tout cas, je suis bien fatigué de ça, là. Tu te rendras pas malade à cause d'elle, j'espère. Ben non, je suis plus fort que ça. Ben oui, un colosse aux pieds d'argile. Tu m'inquiètes quand tu fais cette air-là? Je suis peut-être allée un peu trop loin, mais tant pis. Raconte mieux que ça. J'ai déterré les squelettes de leur placard. À qui? À la si belle famille de Julie. Tu les détestes tant que ça? Et Harrison m'a volé ma fille. Oh, Florence, c'est toi qui l'as laissée. Déforme pas la réalité. Ils m'ont tous rejetée. Ta culpabilité te fait voir des complots qui n'existent pas. Arrête! J'ai horreur quand tu joues à la psy. J'en ai assez eu dans ma vie. Oh, j'aime pas te voir glisser comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu dérapes. Ça me rappelle tes épisodes. Non, non. Reviens pas là-dessus. Je croyais que t'avais vaincu tes vieux démons. Vieux démons, t'as ces expressions. Je suis pas possédée, j'ai pas besoin d'exorcisme. Mais tu sais ce que je veux dire. T'en occupes-tu? As-tu bien recommencé ta médication? Pas certaine que c'était une bonne idée de t'appeler finalement. Réponds. Le plus important pour moi, c'était de vaincre ma leucémie. Mais le reste?
Je vais bien, je suis un peu nerveuse, c'est tout, mais je garde le contrôle. Oh, c'est pas ce que je vois. Fais attention. Tu le sais que tu peux tomber bas. J'aurais jamais dû te confier tout ça. Mais je le sais maintenant. Puis c'est mon devoir d'ami. De t'avertir. Je veux être claire. Je suis profondément en accord avec ce que t'as fait pour ta mère. Je sais bien. Ça m'émeut beaucoup même. Ben là. Oh, puis t'étais si jeune. T'as gardé ça en dedans de toi tout ce temps-là. Mon roman m'aura permis au moins enfin d'avouer ça à mon père, tu sais. Ça a dû te libérer. Beaucoup. C'est l'enquête de ma mère qui me mortifie. T'avais raison sur toute la ligne. Elle est pas trop stable. Il n'y a rien à faire avec elle. Puis ça me déçoit en même temps parce que j'ai tellement essayé de me convaincre qu'elle avait changé pour vrai. Mais non. Je l'ai défendu longtemps, mais là, c'est fini. Je veux plus rien savoir. Moi non plus. Je l'enterre pour de bon. Il a passé la soirée à Montréal avec son patron. Ils sont allés manger au restaurant. Puis ça, c'est s'ils sont pas allés à l'hôtel. T'es-tu en train de virer fou? Je crois que c'est mieux pour lui ou pour elle de pas savoir le nom du gars qui l'a rejeté. Ben, fouillons donc. Vous jetez des petits coups d'œil, puis vous partez avec les pépés des autres. Je pensais bien faire. Ouais, ben la prochaine fois, là, essayez de vous servir de votre cerveau.